descends de des herbes. Tu sens, tu descends des herbes. Tu descends des herbes. Si, j'ai mal au dos. Oh, saleté. Chute. T'as qu'à courir si tu la veux, ma canne. Je cours plus vite. Ah! J'ai cassé ma canne à cause de toi. Elle est d'une main. Allez, donne-la-moi. Non, jamais. Si. Non. Si. Non. C'est très dangereux. Hey. Tu me donnes ma canne, oui ou non? Allez, tu me donnes ma canne, oui ou non? Oh, attaque. J'ai cassé ma canne. Non! Pas celle-là! Oui. Eh bien, merci. Aïe. Voilà. Je vais t'en mettre une. J'arrête. Non. Oh, saleté, là. Tu arrêtes. Je suis ta mamie, tu me respectes. Alors, je peux voir ta canne, mamie? Non. C'est quoi ça là-bas? Oh non! Non! Ah! Aïe, mamie, ma jambe! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Oula! Qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes? Arrête de pleurer! Arrête de pleurer, il y a des gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cassé le bras et mon pied! Arrête! Quand je touche, ça te fait mal? Oula! Oula, chute! Chute, hein! Bon, allez, viens! Lève-toi! L'autre jambe! Bon, attends, je vais te porter! Bon, allez, monte là! On va y arriver! Arrête dans mon oreille! Allez, monte! Tu crois que tu montes sur un cheval ou quoi? Ramasse ma canne! Je peux pas! Ramasse ma canne! Voilà! Voilà! Allez, plus vite! Vas-y, viens plus vite! Oh, purée! Oh! Oh, j'ai mal! Aidez-moi! 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 Claquettes, je mets des grosses claquettes dégueulasses sur mon truc là. Eh hey.
Hey, on n'est pas aux zoo ici. Allez, elle a mal au dit. Elle a mal là. Mais non. On ne fait pas ça aux gens quand ils ont mal. T'as pas mal là? Voilà, tu t'es cassé partout, hein. Oui, au début c'était l'orteil, maintenant c'est le bras. Allez, tu me fais du cinéma ici. Bon, t'as mal où? Bah, au pied et au bras. C'est pas une pied, ça, c'est une jambe. C'est pas une pied, elle sait pas parler français. Bah, oui, je suis pas française. Et il va retourner chez ton père. Si je comprends bien, il y a un problème. Ah bon? On savait pas. Et un très gros problème. Oh, et si on regarde par la loi de la gravité, nous devons l'opérer. Ah bon? Ah oui, t'as pas mal, c'est pas compliqué, il faut l'opérer maintenant. Mais arrête de parler comme ça! Pardon! Bon. Allez, ça va durer combien de temps là que j'aille faire les courses? Tu vas faire les courses avant qu'elle est là, toi? Oui, ben, je vais faire une petite tartelette. Ah ouais, tartelette à quoi? Tarte fraise. J'en veux des. Eh ben non. Ah, allez, dégage. Allez. Pardon, je rigole, ma vie. Bisous, ma vie. Dégagez. Non. Si. Je vous, vous allez dégager. Allez, opérez-la, allez-y. Allez-y, tenez, opérez-la. Soignez-moi. Coronavirus. On dirait une culotte, votre ça, votre masque. Ah, culotte, elle est comme ça. Oui, elle est comme ça. Je vais la mettre. Allez, j'arrive. Allez-y. Oui, mamie. Oui, allez, mamie. Ouah, 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 ouah. Allez, on part. Ouais, mais hier, celle-là. T'inquiète pas, après, je vais m'occuper d'elle. D'abord, t'as trouvé. Je vais m'occuper d'elle. Pourquoi je vais dans la team d'action à l'esprit? Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as pas un mec, bon, maintenant, je comprends. Donc, je remets la casquette de médecin. Donc, je t'explique en gros ce que t'as. C'est super simple, t'as une fracture. Fracture égale OP. Ration. Ration. Opération. Donc on va t'opérer. Ré. Parce que t'as besoin d'une opération. Et du coup, faut que on t'opère. Est-ce que t'es là? Quoi? Oui ou? Non. Donc? Non. T'es pas d'accord? Eh ben tu vas être d'accord et tu vas la fermer. Je regarde ton cœur, tu dis quoi? Tu dis à Nicole de venir. Tu cries Nicole, viens. Ok. Nicole! Viens! Non mais vraiment! Ah, ok. Nicole, viens! S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît, tu dis bien. S'il te plaît. Ma vie. Ma vie. Merci. Merci. Ok. Okay. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le cœur, il est à gauche ou à droite, Nicole? Le cœur, il est à gauche ou à droite? Il est à gauche. Mais tu te tais? Ah, pardon. Il est à gauche. Ah, mon cœur, il fait trop de bruit, il me fait mal aux oreilles. Bon. Bon, fracture de la jambe, fracture de la main, du bras. Ok. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, explique-lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa grand-mère, elle l'a fait tomber, je sais pas quoi. Ta grand-mère, c'est elle m'a fait tomber. Bon, d'accord. T'es tombée, toi, d'accord. Bon, écoutez, ce qu'on va faire. C'est que, hop. Donc, opération directe là. Ah oui, oui. Bon, on va t'anesthésier, tu vas dormir, d'accord? Recouche-toi. Ça veut dire que tu vas voir que le mur il bouge. Voilà. Non, pas du tout. Tu vas te sentir partir et dormir. Comme si tu dormais, d'accord? D'accord. D'accord. Tu m'as fait voir ton bras. Mais c'est l'autre. Oui, mais c'est celui-là qu'il faut anesthésier, mon cœur. Hop. Hop. Ça, ça a l'air hyper beau, ça, je te le dis. On va faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas ouvrir ça. Bon, tu es que stagiaire, Émilie. Hein? Oui. Donc, Non, moi je suis médecin, moi. Non, tu es stagiaire. Ah si, je suis médecin. Non. Si, ma mère, elle a dit que j'étais médecin. Comment? Moi je m'appelle Émilie. Non, non. Si, je m'appelle Émilie. Nicole. Elle s'appelle Nicole, mais moi je suis mieux que Nicole. Je pique. Ça va? Oui. Tu vas commencer à t'endormir tout doucement. Hop. Tu vas commencer à... Pense-moi, ramène un coton. Dépêche-toi. Oh. Tu vas t'endormir. C'est
Ok, ok. On va commencer. Tu es prête? Oui. Repartons. Romance. Allez, c'est parti. Non, c'est de l'autre côté. Et non, si. Allez. C'est bon, mais... Faut arrêter de faire la gueule toute la journée. Tu vas rester pendant combien de temps ici? Ah, toute la vie, moi. Moi, je te dis, je suis médecin. Bon, moi je te dis, la petite mamie, elle était mimi. D'accord. Dis-moi, t'es encore à l'école de... d'infirmière? Non. Tu fais quoi? Je suis bon. Qu'est-ce que tu fais ici alors que tu n'es pas à l'école d'infirmière? Mais je suis là! Je suis médecin, si tu comprends pas. Je vais appeler ta tutrice. Hein. Allez, à toi. C'est ma tutrice, c'est ma... Hop. Tiens. Mets ça comme ça, hop. Très bien. Hop. Tu ne fais aucune chose sans que je te l'ai demandé. Tu as compris? J'ai compris. Donc si tu veux faire un truc, tu me le demandes d'abord. D'accord. Hop, ça c'est fait. Maintenant, tu te désinfectes les mains un petit peu. Les mains. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu arrêtes, on ne fait pas ça. D'accord. Allez. Non, tu te désinfectes les mains. J'ai pas envie. Tu fais comme ça. Hop, juste un peu. Non. Bon, tu ne touches pas la patiente alors. Non. Ça, c'est bon. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Enlève ça. Tu arrêtes? C'est pour pas faire de bruit. Non, vraiment, là, je vais m'énerver. Ah oui, effectivement, là, il y a une grosse fracture. Allez, je te dis, bétadine. Passe-moi la bétadine. Passe-moi la bétadine. Très bien. Très bien, stop. Qu'est-ce qui te dégoûte? C'est jaune. Bah oui, c'est de la bétadine. C'est pour désinfecter. Très bien. Tiens, poubelle. Oui, c'est là. On va faire ça. Hop, pour que j'ai bien cette partie-là. C'est parti. Faut mettre le masque. Hop. Pince verte. Vite. Pince verte. C'est pas... Oh là là. Pince verte. C'est vert ça. Oui, mais tu l'as fait tomber. C'était celle-là qu'il fallait. Oui. Alors. Ah, mais fais pas ça, elle va avoir mal. Oh non, la pauvre. Tu arrêtes. T'as pas le droit de faire ça. La pauvre. Arrête. Tiens, j'ai enlevé un bout du... Ah non. Un bout d'os. Ah non. Viens chercher l'os. Viens chercher l'os. Non. Non. Viens le chercher. Viens me porter le pied là.
Allez. Non, ça me dégoûte. Non, viens là. J'ai la phobie des pieds. Je m'en fous. J'ai la phobie des pieds. Allez. Oh, arche. Tu me portes ça. T'es pas un mec. Tu balances pas comme ça. C'est dégueulasse. Je suis pieophobe. Je vais faire le ménage ici. Hein. Hop. Moi de base on m'avait dit. Le pied c'est fait. Moi de base on m'avait dit tu viens pour un stage de ménage. Mais et voilà tout. Mais si. Tu n'es pas du tout médecin. Si. Monsieur médecin. Non, oui. Monsieur médecin ménagère. C'était ce bras là. Et une femme de ménagère. Ah oui, là, ah oui, effectivement, ça a déjà, c'est déjà bien ouvert là. Oui. Faut laisser comme ça. Ok, c'est parti. Il faut faire vite, elle va bientôt se réveiller. C'est parti. Allez, c'est avec toi. Ah, je vais mettre ça, moi. Non, tu arrêtes. Tu touches pas. Mets la bétadine. Tout doucement. Non, sur le bras. Pas sur ses vêtements, Brandon. Tu sais pas faire. Oui. Et toi, alors? Chut. Voilà. Par contre, cette robe, j'aime beaucoup. Ça fait très hivernal. On n'est pas ici pour parler de ta robe, d'accord? Ah, oh, j'ai trouvé un nouveau truc, c'est pour un masque en fait. Très bien. Voilà, et là comme ça, vous pouvez aller voir tout le monde. Bon, vous arrêtez? Oui. Vraiment? Plus vite. Allez, je suis en train de tout ouvrir là. Tiens, il y a un os dessus, tu le mets là-bas. Il y a un os dessus, tu mets là-bas. Ramène-moi. Donne-moi ça vite. Hey. On est pas ici pour jouer. Vous savez, avant, moi je faisais du cirque. Regardez. Oui. Je vais t'en mettre. Non mais en plus, moi j'attends que la mamie elle revienne. Hein. Ouais, bah, tu vas attendre longtemps toi. Hein. Là. T'es viré. Quoi? Je te vire. Ah non, si. Déchets d'activité. Faut mettre dans ça les déchets. Mais bah oui, bah, t'es bien la femme de ménage, toi. C'est bien. Il y a que ça que t'as su faire. Hop, voilà. Elle va se réveiller. C'est le sac à main. Pas de temps là. Il faut l'aérer. Il faut l'aérer. Vous ne servez absolument rien. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez d'ici. Vite. Elle va se réveiller. Oui. Non, attendez. Je viens de revoir un truc, Ma belle, ça va? Je t'ai bien opérée. Tu t'en vas. Pourquoi tu veux pas dire que c'est moi? Dépêche-toi. Pourquoi t'assumes pas? Dépêche-toi. Tu n'assumes pas. Dépêche-toi. T'assumes pas. Mais t'es une malade, hein. Tu vas appeler la tutrice. Attends, excuse-moi mon chat. Réveille-toi tout doucement, j'arrive. Ma tutrice, c'est la mamie de elle. Non. Si. Allô, oui, Aurélie. Elle attend un enfant, ses amis et ses parents lui conseillent un appartement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses. Elle va enchanter alors que je vais de trouver quelqu'un. Elle arrive. Viens la chercher. Viens vraiment, là j'en peux. Venez me chercher là, ça va mal. Vraiment, en plus je fais le ramadan donc je t'explique, j'ai rien mangé de la journée. On va ramener quelque part de pas mal. Il me reste encore 2 heures de taf. 2 heures de taf? 2 heures pour nettoyer les toilettes là. Ouh, ça va être dur hein. T'as vu? Ah non, moi c'est vraiment non. Je suis malade. Je te laisse, viens la chercher, merci. Bon, je vais aux toilettes.
Oui, va-t'en, va-t'en. Bon, bisous, ma chérie, à la petite Mimi. Bisous, hein. Ne fais pas attention. On t'a opéré. Je t'ai opéré. Mais c'est qui m'a opéré? C'est moi. D'accord. Ça te rassure? Tu m'étonnes. Donc là, ta jambe, je l'ai opérée, tu vois. Tu pourras pas trop la bouger encore. D'accord. Et ton bras, c'est ça pareil. Oui. Et ton bras, c'est pareil. Mais ça va être un petit peu compliqué parce que tu auras qu'une seule béquille. Parce que ce bras-là, tu as des béquilles avec des béquilles. Mais je te jure, les béquilles, ça fait. C'est trop bien. On s'en fout. On s'en fout. Donc voilà, tu auras qu'une seule béquille à l'autre main, d'accord? Là, attends, tu pourras rentrer bientôt. Tu n'es pas obligé de rester à la maison. À la maison, je veux dire, à l'hôpital. Donc tu pourras rentrer à la maison. Ça va, t'es pas trop fatiguée? Un petit peu. Tu te lèves du lit de la patiente? Je m'assois où alors? Mais j'en ai rien à faire, tu t'assois par terre! Ah non! J'en ai rien à faire! Vie. C'est bon. Pourquoi par contre ça soit par terre? Je vais appeler ta mamie, elle va venir te chercher, d'accord? Ah oui, mamie, vas-y! Je rentre chez moi? Oui. Toi, allez! Tu te sens bien? Non, c'est bien. On va te donner un petit truc à manger et après tu veux quoi? Je te rends les McDo? Mais non! Vous êtes pas gentils avec les enfants. Bon, tu t'en vas. Bon, allez, j'appelle ta mamie. Elle va venir te chercher. Allez, on te laisse tranquille. Allez, viens, Marie. Allez. Non, ça. Non. Allez, va-t'en. Allez là-bas. Écoutez le tempo. Allez là-bas. Écoutez le tempo. Écoutez le tempo. Allez-y. Allez, allez. Parle d'abord. Aïe, les malades. Et bonjour. Oui, c'est ça, exactement. Je suis avec votre petite fille. Oui, tout va bien, on l'a bien opérée, maintenant elle peut rentrer. Ça y est. Vous pouvez venir la chercher? Elle a fait une tartelette aux framboises. Alors, la tartelette. D'accord, vous venez la chercher après avoir fait votre tartelette. D'accord, ça marche, pas de soucis. Allez, à tout de suite. Bon. Sa famille était tout le temps bon. Jour. Bon. Soir. Bon. Appétit. Bon. Bon, bon. Bon. Tu veux qu'on fasse un jeu? Mais. Tu arrêtes? 1, 2, 3, pierre, feuille. Elle peut pas le faire. Mais elle a une autre mail. Mais c'est bon. Tu veux que je me cache, tu fais le cache. Mais non. Non, elle veut rien. Non. Trouve compte. Mais t'as quel âge? Moi? Oui. Je sais pas. Mais en fait, moi je suis danseuse, chanteuse et cirqueuse. D'accord, fais-nous un spectacle, vas-y. On va voir ce qu'elle fait parce que depuis tout à l'heure, elle va nous montrer. Parce que là, il faut absolument que j'y aille. J'ai une autre patiente à opérer. Je te laisse. D'accord. Je te fais un petit bisou quand même. Mmh. Tu t'en vas. D'accord. Tu prends soin de toi. Mmh. Ça marche. Bon, ben,
Je vais opérer à la salle 213. Tu viendras me soutenir après? Oh, oui. Oui. Bah, tant que t'es là, autant que tu serves à quelque chose, tu viendras ramasser les poubelles de là-bas. Ah, vous voyez comment elle est méchante. Allez. Vous avez quelque chose contre les femmes de ménage? Ah, bah voilà, t'es une femme de ménage, tu m'as pas opérée. Moi, je t'ai pas opérée, non. Bah, voilà. Allez. Bisous, Brittany. Bisous. On est dans le parking, on y va? On prend l'ascenseur? Non, mais attends, ma pute. Non, c'est bon, c'est bon. T'es sûre? Oui. Allez, on y va. Hula, je vole pas.